ciel est ouvert, tout est possible. Ou encore devient possible. Vous pouvez observer les miracles parce que le ciel est ouvert. Vous pouvez expérimenter les guérisons, les prodiges, les délivrances, le succès, la réussite scolaire, la promotion, l'emploi, le mariage, la fécondité, parce que le ciel est ouvert. Et lorsque le ciel est ouvert, tout devient possible. Si le ciel est ouvert, alors la gloire de Dieu se manifeste. Bien-aimés, une vie qui n'est pas accompagnée de la gloire de Dieu, c'est pas bon. Lisons notre premier passage dans Jean chapitre 1er, le verset 51. Jean 1er, le verset 51. Pour une meilleure lecture, commençons à partir du verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit : Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit : Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? Philippe lui répondit : Viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui : Voici vraiment un Israélite dans le cœur, dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu ? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit : Avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit : Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit : Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit : en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de Dieu. Quelqu'un peut me donner un amen ? Ah ! En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Il n'est pas dit les anges descendent sur le Fils de Dieu, mais sur le Fils de l'homme. C'est Jésus qui parle. Mais nous savons qu'il a deux dimensions. Il est à la fois Fils de l'homme, mais est aussi Fils de Dieu. J'aimerais vous faire remarquer cela. En vérité, c'est certain. Vous verrez désormais, un, le ciel ouvert. Deux, les anges de Dieu. Parce qu'il y a aussi les anges du diable. Monter. Ensuite, descendre.
sur quelqu'un. Sur qui? Le Fils de l'homme. Je ne sais pas si nous comprenons ce que Jésus est en train de faire ressortir. Toi et moi, nous avons été engendrés par un homme, par une femme. Et nous sommes devenus des filles et des fils des hommes. Jésus devient fils de l'homme parce qu'il est engendré non pas par Joseph et Marie, les deux à la fois, mais parce qu'il sort d'un être humain de Marie. Mais il n'y avait pas de rapport entre Joseph et Marie, comme ce fut le cas de toi et moi lorsque nous sommes venus au monde. Donc Jésus dit, vous verrez désormais le ciel ouvert. Et lorsque le ciel sera ouvert, il y aura un mouvement angélique. Les anges vont monter et les anges vont descendre. Pas dans n'importe quel endroit, mais sur le Fils de l'homme. Et j'aimerais te dire que toi et moi, nous sommes des fils des hommes. Merci pour vos amens faibles. Parce que vous n'êtes pas en train de voir ce que Dieu veut nous faire passer comme message. Je disais dans mon thème, ton ciel ne va plus se refermer. Et toute ta vie, tu vas opérer sous un ciel ouvert. Pourquoi je le dis? Mais parce que tu es un fils de l'homme, tu es une fils de l'homme. Quelle promesse! Oh, gloire à Dieu! Les anges ne vont pas seulement nous accompagner, mais le ciel sera ouvert sur la tête de chacun et les anges vont monter et descendre. Mais quand ils descendent là, c'est sur quelqu'un. On ne dit pas l'ange descendra ainsi à Kendenge, mais il dit les anges monteront, descendront sur le Seigneur Jésus, qui est fils de l'homme. Mais lorsque nous parlons des études sur les anges, il y a des anges de combat. Ça veut dire que si tu es dans des combats, sois fortifié ce matin. Les hommes seulement bougent les têtes, ils ne comprennent pas. Alléluia! Amen. Pourquoi? Parce qu'il y aura un ange ou encore des anges de combat qui vont venir à ton secours, à mon secours. Non pour dormir, mais pour combattre ceux qui te combattent. Est-ce que tu es malade? Ce n'est pas un problème pour le ciel. Désormais, vous verrez le ciel ouvert. Il n'a pas ajouté en disant qu'après, le ciel se refermera. Oh, je bénis Dieu.
Si vous êtes malade ce matin, reçois ta guérison ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Dimanche, j'ai prêché quelque part. Cette semaine, le président voulait encore me bloquer pour animer un séminaire. Après, j'ai dit, papa Jude, ça me fait 2 mois presque. Permettez-moi d'abord de partir. Comme vous voyagez, je pourrais revenir pour votre programme. Il a dit, tu as raison, voyage. Je devais prêcher vendredi et dimanche. Mais le dimanche dernier, j'étais là, j'ai dit, je m'avais où passer le culte. Et puis, le cœur me dit, va chez le DP Mito. C'est une annexe de l'Ikwala. Hébron. Alors, j'appelle Mito. J'ai dit, Mito, je suis en train de venir là-bas. Oh, mon missionnaire, c'est une bonne chose. Nous sommes prêts à t'accueillir. Alors, je suis arrivé. Dès qu'on arrive, on descend du véhicule. Le diable dit, je veux voir comment tu vas prêcher aujourd'hui, Mama Binyumba. Le courant s'est arrêté. On rentre, on s'assoit. L'église est déjà dans l'effervescence de l'esprit. Et puis un moment, j'ai aussi invité l'une de mes filles qui a une béquille. Et puis je cherchais dans la foule. Si elle était là, gloire à Dieu, elle était là. Et puis, on attend. Rien. Madame la SEG dit, il n'y a pas de courant. Alors, je sens la pression monter. Peut-être tu te poses quelle pression? Je sens l'homme là, il est en train de monter. Alors, je suis poussé à commencer à poser les mains dans la salle. Alors là, il fallait fermer les collants parce que ça tombait de partout. J'étais surpris de ce que Dieu a fait. Alors, j'arrive chez la maman. J'ai dit, amène-moi vite l'onction d'huile. Et le jeune, pendant qu'il vient, l'autre pensait que j'imposerais les mains en étant debout, retire la chaise, j'ai failli tomber. J'ai dit, rends la chaise. Et là, je me suis assis. J'étais poussé à moindre d'huile les pieds. Au nom de Jésus, reçois le miracle. Paf, elle s'est levée, complètement, miraculeusement guérie. Et là, les membres de la sécurité voulaient l'attraper. J'ai dit, laissez-la. Elle est allée à l'estrade, elle s'est jetée. Complètement guérie. Alors tout le quartier est en train de bouger. Tu es allé avec la béquille, mais tu viens en marchant avec tes deux pieds. Je suis en train de dire, Jésus déclare, vous verrez désormais le ciel ouvert, les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ce thème de cette année n'est pas un jeu. Je suis en train d'annoncer une bonne nouvelle. Vous verrez désormais en ce lieu le Saint-Esprit manifester sa gloire en envoyant les anges. Ils vont monter, ils vont descendre. Mais quand ils descendent, c'est sur la tête des sœurs, sur la tête des frères et des sœurs. Prenez courage ce matin. Prenez courage ce matin. Ton problème est un problème minime, un problème insignifiant devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je ne sais pas ton problème c'est quoi. Peut-être que tu ne travailles pas, mais ce n'est pas un problème. Je t'annonce une bonne nouvelle. Vous verrez désormais, le ciel ouvert. Mais le ciel sera ouvert sur qui? Sur la tête des diaconesses. Le ciel sera ouvert sur la tête des diacres. Le ciel sera ouvert sur la tête des anciens. Le ciel sera ouvert sur la tête des soeurs, sur la tête des mamans, sur la tête des papas. Le ciel sera ouvert. Et si ton problème, c'est un problème, c'est un problème,
C'est un problème de parce que tu n'as pas de travail. Il y a quelque chose ce matin que Dieu va faire pendant que je suis en train de prêcher. Si tu crois, alors il y aura un miracle ce matin. Parce qu'il y a un ange qui a été envoyé pour toi ce matin. Alors pendant que je cite un mot, si c'est l'emploi, lève-toi là où tu es. Si je cite quelque chose, tu te lèves par la foi. Par la foi. Frères et sœurs, oh gloire à Dieu. Je prie ce matin, je prie ce matin pour tous les chômeurs qui sont dans cette église. Tu es en train de te lamenter. Tu ne veux plus même venir en église. Tu es refroidi. Tu penses que Dieu t'a oublié. Je déclare sur ta tête. Je déclare sur ta tête. Le ciel est ouvert. 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 Sur la tête de cette sœur. Sur la tête de ce frère. Rapata Godira. Rakata Rabrakata. Le ciel est ouvert sur ta tête. Et j'envoie un ange. Les anges de l'emploi. Allez-y maintenant. Récupérez-moi le dossier. Récupérez-moi le dossier. Récupérez, récupérez. Récupérez-moi le dossier de cette soeur qui se plaint, qui se lamente, qui pleurniche en ce moment, qui l'aille. J'envoie le mouvement angélique. Ah, j'envoie que le mouvement angélique, alors que ce lieu est connecté, ce lieu est connecté. Bien-aimé, si Jacob était dans un endroit qu'il a finalement appelé Bethel, j'annonce une bonne nouvelle à quelqu'un. Dieu, par Paul, il dit, Dieu n'habite plus dans les maisons faites par les mains d'hommes. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je suis Bethel, tu es Bethel, je suis Bethel, tu es Bethel, je suis Bethel, tu es Bethel, je suis Bethel et tu es Bethel. Jacob a dit, cet endroit s'appelle Bethel. Je parle aux Bethel, qui sont des maisons de Dieu. Que le ciel soit tellement ouvert. Mon frère, ma soeur, à partir de ce matin, tu viendras témoigner dans cette église que le Jésus que nous adorons, il n'est pas resté dans la tombe. Comme le dit, n'est-ce pas, les témoins de Jéhovah, mais il est mort, il est ressuscité, il a passé 40 jours cet été, et il est monté, il est assis à la droite de Dieu le Père, il est assis à la droite de Dieu le Père. Oh Seigneur, viens consoler ce frère, cette soeur, qui depuis longtemps dépose les dossiers. Depuis longtemps, dépose les dossiers. Il s'est dit, Dieu m'a oublié. Il commence à parler comme si, oh Jérusalem, Éternel, tu m'as abandonné. Éternel, tu m'as oublié. Et Dieu répond à Jérusalem. Il répond à Sion. Un homme, une femme abandonne-t-elle l'enfant qu'elle allait? Non. Mais s'il arrivait qu'une mère qui est une matrice, qui a gardé l'enfant pendant 9 mois, peut abandonner, n'est-ce pas, son enfant, parce que je sais ce que j'ai mis dans le cœur de chaque mère, c'est l'amour, l'attachement de la mère avec l'enfant. Il serait difficile qu'une mère qui a l'amour de son enfant, qu'elle a porté pendant 9 mois, que cette dernière abandonne l'enfant. Mais s'il arrivait quand même à l'abandonner, moi, je suis la mère des mères. Je suis la mère des mères. Je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous oublierai jamais. Oh Seigneur, au nom puissant de Jésus de Nazareth, je prophétise que tous les chômeurs qui sont rentrés dans cette église,
vous ne sortirez pas chômeur. Vous êtes rentré chômeur. Vous êtes rentré chômeur. Vous êtes rentré chômeur. Et comme le ciel est ouvert au-dessus de ta tête, que les anges de bénédiction qui apportent l'emploi vous apportent l'emploi. Et ceux qui travaillent obtiennent ce matin des nominations ministérielles. Des nominations ministérielles. Des nominations ministérielles. Je prie même pour les retraités. Je prophétise et je déclare. Paris pro sous kata. Même à cette période de transition, même si tu es retraité, à cause de ta valeur, à cause du fait que tes résultats sont là, on va encore t'utiliser. On va encore t'appeler. Ton téléphone va encore sonner. La voix qui crie ce matin de la part de Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de te parler. Et si tu me donnes un amen, maman, alors tu es en train de recevoir ton miracle. Maman, ne sois pas inquiète. Papa, ne sois pas inquiet. L'heure est arrivée où Dieu va continuer à travailler avec les retraités. Dieu viendra vous chercher. Vous allez dire, mais je suis déjà retraité. Alors, à l'instant même, Dieu va restaurer les globules blancs et les globules rouges. Dieu vous redonnera la vigueur. Dieu vous redonnera la longévité. Dieu va restaurer tes yeux. Il va restaurer la mémoire. Il va restaurer tout le corps. Pour que tu travailles encore pour l'État même pendant 5 ans. Et que Dieu capitalise l'argent. Et que ce que tu vas recevoir soit au-delà de ce que tu as déjà mis à l'épargne. Tu me donnes un amen, c'est fait. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont malades. Je ne sais de quelle maladie ils souffrent. Mais toi, le réparateur des brèches, toi, ce qui a dit tout est accompli là. Je veux que les anges de guérison descendent sur chaque tête. Détruisez le VIH 1 et 2. Détruisez le VIH 1 et 2. Détruisez la tumeur. Détruisez les calculs. Détruisez l'insuffisance rénale. Détruisez la tension artérielle et l'hypotension. Détruisez chez les hommes tous ceux qui souffrent de la prostate. Qu'ils soient complètement guéris. Au nom puissant de Jésus Christ. Je détruis toutes les maladies veineuses liées aux veines. Toutes les maladies liées aux muscles. Toutes les maladies liées au sang. Toutes les maladies liées aux articulations du corps. Au nom puissant de Jésus, que les anges descendent. Commence à vous toucher. Commence à vous toucher. Commence à vous toucher. Commence à vous toucher. Au nom puissant de Jésus Christ. Je prie au nom de Jésus que toutes les sœurs qui souffrent des myomes, on les arrache ce matin. Au nom de Jésus Christ. Nous détruisons les miens. Nous détruisons les fibres. Nous détruisons au nom de Jésus-Christ les kystes. Au nom puissant de Jésus. Soyez complètement restaurés ce matin au nom de Jésus. Oh, gloire à Dieu. Jésus est Seigneur. Que son nom soit béni. Vous verrez désormais les anges monter et descendre. Jean chapitre 1er, le verset 29 à 34. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi, viens un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est enfin
qu'il fut manifesté en Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre sur lui comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, c'est lui, celui sur qui tu verras descendre l'Esprit et s'arrêter, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Alors, la deuxième pensée que nous voulons souligner, c'est que Jean rend témoignage. Il rend témoignage de Jésus. Et je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé m'a dit ceci. Il y a un signe par lequel tu reconnaîtras celui qui baptise du Saint-Esprit. Celui sur qui le Saint-Esprit descendra, c'est celui-là, le Fils de Dieu. Et nous voyons Jésus qui quitte de Galilée en direction du Jourdain et parcourt environ 120 kilomètres. Mais en tant que Dieu, il savait qu'il y avait un service de baptême qui se faisait dans le Jourdain. Et il savait qui le faisait, c'était son cousin. Et quand il arrive, il trouve qu'il y a une file indienne, des hommes descendaient dans les eaux du Jourdain pour se faire baptiser par Jésus. Et Jésus se met dans les rangs. Il n'a pas poussé les gens, quelle humilité! Pour dire je suis le Fils de Dieu, allez, c'est moi le premier. Non. Il se fait discret. Bien-aimés, quand vous avez rencontré Jésus-Christ de Nazareth, nos galons restent dehors. Dieu n'a besoin à l'église que des hommes brisés, des femmes brisées. Leur langage est brisé, leur réaction, tout est brisé. À nouveau une parenthèse. On ne peut pas dire que nous sommes des enfants de Dieu qui ont rencontré Jésus comme Saul de Tarse sur le chemin de Damas et avoir toujours son mauvais caractère, son mauvais langage. Non. Chacun de nous avait un mauvais CV, un arrière-plan qu'on n'a pas besoin de citer. Chacun se connaît. Mais Saul de Tarse, alors qu'il s'est dirigé à Damas pour aller se saisir de tout ce qui se réclamait de la nouvelle doctrine, tout ce qui se réclamait de Christ, il rencontra Jésus de Nazareth sur le chemin de Damas. Et là, la lumière était tellement forte, on le prit là où il était assis sur son cheval et il fut jeté. L'une des choses avant que Jésus ne commence à t'utiliser, c'est de te prendre là où tu es, dans ta position d'orgueil, dans ma position d'orgueil, et il nous jette au sol. À l'église. Ça là, c'est coupé. Moi. Le moi n'existe plus.
Si le mot existe, continue à dire à Dieu, « Oh Dieu, jette-moi au sol !» Pourquoi vous, là où vous travaillez, vous tremblez devant les DG, vous parlez avec respect. Mais l'église, ici, là, les pasteurs, dans le milieu pentecôtiste charismatique, les pasteurs, ce sont des chiffons. L'homme que Dieu utilise pour te faire du bien pendant que tu es sur la terre et te préparer pour aller au ciel, le DG, c'est seulement la terre. Mais les DG de l'église, ah, il est qui? En tout cas, je peux parler au pasteur comme je veux. Mon DG, tu es tremblant là-bas. Tu rases les murs. Quand c'est le DG, mais DG, DG, DG. Dieu veut faire de toi un homme nouveau. Dieu veut faire de toi une femme nouvelle. Laisse-toi galvaniser par le Seigneur. Laisse-toi être modelé par le divin potier. Laisse Dieu dire, Seigneur, je suis une pâte entre tes mains. Façonne-moi comme tu veux et nomme comme je veux. Ananias connaissait qui était Saul de Tarse. Voilà l'homme fort qui dit, ah, je ne vois plus, ah, je ne vois plus, je ne vois plus, je ne vois plus. Oh, mais il faut voir, il faut continuer à voir. Tu es fort, non? Il faut continuer. Il y a des gifles parfois que Dieu peut nous donner. Vous me suivez? Il y a des gifles que Dieu peut nous donner. Parfois c'est la bouche, pas. Parfois on ne comprend pas, tu es maintenant la bouche comme ça. Mais tu ne meurs pas, tu es chrétien. Mais on va dire AVC. Mais comme on n'arrive pas à nous examiner, ce qui m'arrive là, est-ce une maladie normale? Est-ce que c'est du ressort de ma désobéissance? On ne connaît pas. Le visage noir là vous manquait, hein? On m'appelle, oh, papa tu viens quand? Oh, papa tu viens, je suis en train d'arriver. Et je suis là. Merci. Et là, on lui dit, rentre dans la ville et tu feras ce que tu veux. Alléluia, mon diacre Bayonne. Les mamans. Sors de Tarse, rentre dans la ville de Damas, tu feras ce que tu veux. What do you want me to say? Ah, English difficulté. Si c'était le Varama, j'allais comprendre. Qu'est-ce qu'on lui dit? On te dira ce que tu dois faire. Ici, là, on doit vous dire ce que vous devez faire. Là-bas, vous avez un chef du personnel. On vous dit, voilà, voilà, voilà. Il y a un DRH même. Il ne sait pas là-bas où tu travailles. Hein? On dirait qu'il n'y a pas de travailleurs ici. Hein? Mais vous-même, vous dites ici, non. On ne sait plus, on prend quoi? Non aussi. Mais ici, là aussi, il y a le directeur des ressources humaines. C'est moi, je te dirai, tu fais ça. Même le diacre Bayonne, je te dis, ici, là. Tu es grand là où tu travailles, ici, là, c'est moi. Réponds, amen. Amen. Alléluia. Soyons des petits et Dieu va nous conduire loin. Petit, 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 petit. Les mamans, chantez-nous la chanson des enfants là. Petit, 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 na pe. Les petits enfants. Ensemble les enfants. Petits enfants. Encore.
Les enfants, qu'ils sont là. Petit, na, petit, 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 petit. Petit, na, petit, 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 petit. Les moniteurs, je vais arriver là-bas, les monitrices, que vous m'enseignez petit, petit. Parce que les enfants là, ils riaient, ils disent non, là, papa, ils gaspillent un peu notre champ. Alléluia! Rentre dans la ville de Thomas, non plus avec la mentalité d'aller attraper les enfants de Dieu pour les bastonner, ensuite les jeter en prison. Non, mais on te dira ce que tu dois faire. Et Dieu se révèle à Ananias. Ananias, je t'envoie sur des temps. Seigneur, le gars là est dangereux. Comme un collègue, pasteur, lorsqu'on avait attrapé le voleur là-bas, qui venait nous voler les bics, hein, c'est un blanc. Il est avec nous dans les assemblées de Dieu. Et pendant que le collègue était dans l'autre chambre, il lui dit, viens. Il lui dit, viens. Alors, je dis, mais lui, il y avait juste un mur de contreplaqué. Lui, il était de l'autre côté. Il dit, mais Pessi, le voleur est dangereux. J'ai pris de ma télanguisse le bouclier et puis j'ai mis ça sur mes oreilles et je priais pour le salut du voleur afin que Dieu sauve le voleur. Le voleur est juste de l'autre côté du mur. Gloire à Dieu. Alors Ananias dit, il est dangereux. C'est comme si tu ne connais pas cet homme. On a tué le diacre Étienne. Il a donné même son suffrage. Il était content. Et tu m'envoies cet homme pour que je l'impose les mains. Mais Seigneur, est-ce que tu n'as pas, tu ne connais pas son CV? Il est dangereux. Et Jésus lui dit, ça c'est ce qu'il était hier. Ça c'est ce qu'il était hier. Ça c'est ce qu'il était hier. Mais aujourd'hui, il ne s'appelle plus Saul de Tarse, mais il s'appelle Paul. C'est mon serviteur. Et je l'ai choisi pour faire passer des ténèbres à la lumière. Du royaume de Satan au royaume de Dieu. Alléluia! Il y a aussi ceux qui pensent comme Ananias que certaines personnes ne peuvent pas changer. Reçois une révélation pour que Dieu te montre que cette sœur a changé, ce frère a changé. Parce qu'il y a des gens quand ils te regardent, lui là, il continue. Non, que Dieu se révèle à toi comme il a parlé à Ananias, que cet homme n'est plus Saul de Tarse, il devient Paul, il a changé. Mais quand il arrive, avant que tu n'évolues, Dieu mettra sur ton chemin un homme qu'on appelle Ananias, qui va t'imposer les mains pour que l'infirmité que tu as soit ôtée. Tu auras besoin d'Ananias pour qu'il t'impose les mains afin que tu reçoives le baptême dans le Saint-Esprit. C'est très important. Quelqu'un qui t'influence positivement dans le plan spirituel, il a besoin d'une seule chose, c'est l'honneur. C'est l'honneur. Lisons notre dernier verset, Luc 3, le verset 21. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait,
le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel ces paroles: tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. Alors, j'aimerais nous révéler quelque chose. Jésus, quand il sort de l'eau, il fait quelque chose. Il prie. Et quand il prie, la Bible déclare, le ciel s'ouvrit. Le ciel s'ouvrit. Et donc, j'ai compris une chose. Il est vrai que nous avons baptisé cette année une année du ciel ouvert. Nous bénissons le Seigneur. Je m'en vais. Vous voyez, vous aurez le temps de regarder les trois kakemono. Nous les avons faits. Que Dieu bénisse tous les sponsors. Alors, en réfléchissant, je me suis dit, si la Bible déclare, la vision doit être écrite et lue, il n'y a rien de tel de fixer la vision sur quelque chose pour que ceux qui viennent à l'église, qu'ils soient nouveaux ou anciens, ne pose plus trop de questions, vous lisez. Soulevez-moi un peu le dernier kakimono qui est là-bas au fond, vous l'amenez ici s'il vous plaît. Alors, continuez à me regarder. Jésus va faire quoi? Quand il sort de l'eau, il pria. Bien-aimé, j'aimerais conclure mon message en disant ceci. Le ciel, suivez-moi, suivez ici là, je vais expliquer. J'ai compris une chose. Avant que Jésus ne prie, le ciel était comment? Quand il sort de l'eau. Fermé. Fermé. Vous me suivez? Le ciel était. Et c'est le résultat de la prière qui a mené le ciel à. Tous ceux qui vont s'attacher cette année à la prière, à l'intercession, aux jeûnes, s'éloigner des murmures, s'éloigner des critiques, arrêter d'aller dans les maisons des autres, déchirer les noms des autres, même étant assis à l'église, on continue à critiquer. Comment tu peux être comme ça? Même étant à l'église, il y a d'autres, même pendant qu'on prêche, on bouge quelqu'un. Tu es à l'église. Tu payes le billet, plutôt ton passage, ton taxi jusqu'à l'église pour venir gaspiller le culte. Veille sur ta bouche. Je répète, tous ceux qui voudront garder leur ciel ouvert, soyez des hommes de prière, aimez l'intercession, jeûnez, priez, chantez dans vos maisons. Vous allez voir le mouvement angélique sur vos vies. Mais quand on a nos miennes, amen, nous avons nos miennes, mais on a un peu compliqué, nous avons nos miennes.
Rondani meno si kambina, rondani kupendi songe, yembani gina gosani. Luanani gingoze si kambina, riganu kukenda ginchombo samori, nagimogi na samori, wajona ana mamori. Anakotizi, nivagambili metina, shele merie. Parce qu'il faut que ça reste avant qu'on ne parte. Yesu abugusugu mburibine ngweri Galilée. Kwanga kumwema mburibine ngweri Jordan. Sika nabobu Jean-Baptiste abubatisi mbili batu. Jean-Baptiste abugeni Yesu. Nagumubonga, nagumubuagu kumam. Asamamu ver, mwedi dodi di mam, nebe ba mosi ba veri ngibumingange mimosi di dodi di mam, kumuru. Sas person amamubonga tindi kumam, bubu. Vabu rambu kumam. Abagi diambu di mosi. Nagu sambila. Vabu sambile. Yulu na kutibu. Kabaku botu baburondieri. Mupumu ula 2024. Na mipumi mimosi mibruki. Konu burondieri. Yulu hibi tindi. Nyanyanya. Sambilanu. Rangunani jambu di nyambio. Sisanu matambo. Na kugelo. Akamone abulione. No. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Maintenant, regardez ceci. Donc, Jésus, quand il ne travaille pas sans le Saint-Esprit. Maintenant, il a travaillé avec le Saint-Esprit pendant combien d'années? Martial. Trois ans. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est mort, non? Jésus est mort, non? Il a été enterré, non? Après, il est ressuscité. Et il est resté encore combien de jours? Trois jours encore. Et quand il est ressuscité, il est resté trois jours sur la terre. Maman, coucou! 40 jours. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il était là, l'homme bien. Mais vous ne répondez pourquoi? Pourquoi? Après les 40 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé au... Le lieu du départ, c'était où? Quand il a levé les pieds, il était dans quel endroit? D'autres Bethanie. D'autres à Lombier, d'autres à Chouka. On a déjà expliqué ça plus d'une fois. C'est le même endroit quand l'église reviendra pour le règne de Mila. On vient descendre dans cet endroit. Homo. Homo des Oliviers. Bref. Mais selon vous, quand il est parti, là c'est 3000 maman Binyumba. Même si tu es pétrolier, les 3000 là ça peut travailler. C'est au moins 2, c'est beaucoup de coca. Alors maintenant je vais vous piéger.
Les anciens, voilà. Tonton, papa, docteur, c'est ça, les 3000, ça travaille, c'est même le carburant. C'est beaucoup de litres ici. Voici ma question. Quand Jésus est sorti des eaux, il a fait quoi? Et qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel s'est ouvert après. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Alléluia. Ok. Maintenant, quand il est mort et ressuscité, quand il est mort et ressuscité, il a passé combien de jours? Sur eux. Après, il est. À votre avis, le Saint-Esprit est monté avec lui, oui ou non? Qui dit non? Qui dit non? Ah, non, 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 non. Maman Binyumba. Amimi, voilà. Ça bouge, regardez comment ça bouge. Bon, bon, regardez. On veut un doigt. Attendez, attendez. Ça bouscule dans la salle, vous jouez. Alors, une réponse au groupe de louanges chorales, une seule personne. Ici, là, une seule personne. Ici, une seule. Et les anciens, vous êtes avec eux. Maintenant, quand Jésus est monté, parce que le Saint-Esprit est descendu, il a travaillé avec lui pendant 3 ans. Maintenant, Jésus est. Maintenant, la Bible dit, vous verrez désormais l'Esprit de Dieu sur le Fils de l'homme. Maintenant, il est monté. Ma question est celle-ci. Quand Jésus est monté, après les 40 jours, le Saint-Esprit est monté avec lui ou bien il a laissé le Saint-Esprit avec l'Église? Il est monté avec lui. Donc, eux, ils ont dit, il est monté. Vous, les hommes, il est monté avec lui. Bon, donc vous avez, attendez, c'est les hommes. Les hommes vous dites, il est monté ou bien il est descendu. Bon, ceux qui disent il est monté, levez les mains. Ceux qui disent il n'est pas monté, laissez les mains. Il y a même des neutres, ils ne savent pas s'il est monté. Bon, donc les hommes ont dit, il est monté. Il est monté. Non, c'est déjà, il est monté. Maintenant, les femmes ici, là, il est monté ou bien le Saint-Esprit est resté avec l'Église. Bon, 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 bon. Maintenant, ceux qui disent, il est monté, levez les mains chez les sœurs. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, ceux qui disent qu'il n'est pas monté, levez les mains. Mais chacun donne sa réponse à quoi? Bon, donc on dit ici là, ceux qui ont levé les mains, ont plus levé les mains, c'est se dire qu'il est monté. La chorale, le groupe de louanges, les diacres, même groupe. Le Saint-Esprit, quand Jésus est monté, il est resté avec l'Église, oui ou non? Bon. Alléluia! Alléluia! Acclamons d'abord Jésus. L'église du pasteur, parce que vous devez être des hommes et des femmes de la parole.
Acclamez maintenant pour vous-même. Alors, vous allez mettre 1 000 francs là dans la caisse de le Codim. Tiens, tu mets la caisse des hommes. 1 000 francs. Vous mettez la caisse. Les femmes à la caisse, ça va travailler. Là, quand je touche comme ça, c'est parti. Maintenant, allez, vous mettez à la caisse de la chorale, le groupe. Alléluia! Maintenant, le Saint-Esprit, quand Jésus a prié, il est sur lui. Vous me suivez? Maintenant, il est reparti au ciel. Il est parti ce jour avec le Saint-Esprit. Mais, il dit, vous verrez désormais. Le Saint-Esprit descendre le ciel ouvert. Donc, il ne dit pas, les professeurs là, vous verrez désormais, est-ce que c'est le présent? Non, où est-ce que le futur? Vous verrez désormais le ciel ouvert, le Saint-Esprit descendre sur le Fils de l'homme. En réalité, Jésus est en train de prédire le futur du Fils de l'homme que tu es, de la fille de l'homme que tu es. Maintenant, écoutez. Le jour de l'ascension, il monte. Mais il dit, ne quittez pas. Attendez. Faites par le. Car Jean-Baptiste a baptisé. Mais vous, dans peu de. Vous serez. Dans le. Ça veut dire que quand il est parti avec le Saint-Esprit. Maintenant, à votre avis, cette fois-ci, je ne donne plus l'argent. Maintenant, je vais poser une question. Chez vous, et le Shabbat. À votre avis, Jésus a dit, le Père vous enverra le Consolateur. Est-ce qu'il fallait prier pour que le Consolateur descende, puisque Jésus a déjà dit, le Consolateur va descendre. Donc, il fallait... À votre avis, il fallait faire quoi? Il fallait encore prier comme Jésus a prié pour que le Saint-Esprit descende, alors que il a déjà dit le Père enverra le Consolateur. Qui répond ici? La promesse était déjà faite, mais il fallait que le peuple reste soudé en attente dans la prière. Ça, c'est la réponse. Vous n'êtes pas obligé, chacun, c'est sa réponse. Vous, ici, les mamans, il fallait pour que le Saint-Esprit, les hommes, et là-bas, la promesse était là, mais il fallait. D'accord. Donc, vous voyez, pour que Jésus commence le ministère, il a fallu qu'il prie pour que le Saint-Esprit, avec les apôtres bien que formés dans la plus grande école théologique, dans la plus grande faculté, ils ont fait 3 ans de théologie, mais la Bible déclare la parole, la lettre tue, m'attendait la promesse. Donc, ils se sont retrouvés où? Et ils ont pris environ, on vous a déjà enseigné ces données, environ 10 jours. Et le Saint-Esprit a fait quoi? Maintenant, ressortez-moi, on dit l'Esprit descendra sur le Fils de l'homme. Maintenant, dans les actes, dans Actes 20 là, si on doit faire le parallèle, quel est le mot
qui peut nous rapprocher? Le Saint-Esprit descendait sur le Fils de l'homme. Dans Actes 2, 1 à 4. Les langues de feu, oui. Tout chacun de oui, formulez bien. Ah, des langues semblables à des langues de feu s'opposaient. Vous voyez? C'est la même chose. Mais ça s'oppose sur les fils de qui? Les fils de l'homme. Conclusion, à votre avis, le Saint-Esprit, depuis qu'il est descendu, il est monté encore? Il est monté? Ça veut dire que si Jésus a opéré à la dimension surnaturelle où les boiteux marchaient, les boiteux doivent marcher. Les aveugles doivent voir. Les sourds muets doivent pas. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit. Lèvons-nous, nous allons prier. Amen. Le cas qui m'en est là, je vais vous expliquer ça. Un dimanche, la même chose qui est là, dans chaque annexe, même l'annexe qu'on va ouvrir, d'ici quelques semaines, là-bas, ils ont chacun un kakemono avec la vision. Alléluia. En Bangila, il y a la vision. Péniel, il y a la vision. Bethel aussi qu'on va ouvrir, il y a la vision. Courbons-nous dans la prière. Que chacun prie. Tu dis à Seigneur, merci. Merci. Réalise que tu ne vas plus opérer sous un ciel fermé. Parce que des frères, nos dévanciers ont déjà prié pour nous. Et donc quand ils ont prié là, quand le ciel s'est ouvert depuis la chambre haute jusqu'aujourd'hui, c'est ouvert. Et donc toi et moi, nous sommes condamnés à réussir. Nous sommes condamnés à sauver. Nous sommes condamnés à opérer dans les miracles, dans les prodiges, dans les guérisons. C'est-à-dire, Jésus, c'est à cause du Saint-Esprit qu'il pouvait prier pour les boiteux. Il marchait, les aveugles voyaient. Et nous le voyons aussi, les apôtres, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ne parlaient pas trop. Un seul discours, 3000 âmes. Élève la voix, prie pour toi-même. Tu dis, Seigneur, fais quelque chose. Ce n'est pas normal que mon ciel soit ouvert et que je mène une vie compliquée. Le ciel n'est plus fermé. Bien-aimé, Dieu m'a dit de te dire et de me dire que peuple du groupe Anabalise, depuis que les apôtres ont prié et que le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Ce jour-là, jusqu'aujourd'hui, le Saint-Esprit est toujours avec nous. S'ils ont fait marcher les boiteux, on doit faire marcher les boiteux. S'ils ont fait en sorte que quand ils priaient, le Saint-Esprit guérissait les aveugles, les aveugles voyaient, toi et moi, nous devons le faire. Remets ta vie à Dieu. Dis à Dieu quelque chose. Dis, Seigneur, il faut que quelque chose, je ne veux plus être celui-là. On se moque de toi, on se moque de Jésus, on méprise Jésus, ce n'est plus normal. Prions. 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 Pendant que nous sommes en train de prier, vous me donnez un micro au niveau du diaconat. Ils vont prier. Le même micro, vous devez donner aux gens de l'Écodim. Le même micro, vous devez donner aux femmes. Une personne va prier pour chaque groupe en disant, Seigneur, il y a de cela depuis 2000 ans.
Le Saint-Esprit est descendu. Pourquoi les signes? Les signes sont lointains. Pourquoi? Alors que mon ciel est ouvert. Le Saint-Esprit, quand tu parles là, ça veut dire que le ciel non seulement est ouvert sur ta tête, mais le Saint-Esprit est descendu sur ta tête en tant que fils de l'homme. Donc tu dois opérer. Et je comprends pourquoi Jésus disait, vous ferez des œuvres plus grandes. Vous ferez davantage. Pendant que ceux qu'on désigne prient, chacun de vous continue à prier. Fermons nos yeux, prions. C'est plus qu'important. C'est plus qu'important, bien-aimé. Si nous ne prions pas pour que nous soyons comme les apôtres d'avant, comme Jésus, il y a un problème dans notre christianisme. Prions. Seigneur, tu ne nous as pas sauvés pour te servir le ciel fermé. Je te prie ce matin de nous aider, notre Dieu, à rentrer dans ta volonté. Car le ciel est ouvert pour nous, notre Dieu. Et nous voulons être les acteurs mangeurs dans ta maison. Des hommes et des femmes, notre Dieu, qui te sert le ciel ouvert. Nous ne voulons plus continuer, notre Dieu, à être les mêmes, notre Dieu. Nous voulons, Céleste Père, ce matin, tu nous parles parce que tu nous conscientises que c'est une année nouvelle et que le ciel est ouvert pour nous afin de te servir et que l'œuvre prospère, notre Dieu. Que ton nom soit béni, toi qui nous fais rentrer dans la vision de ton serviteur. À toi la louange et l'adoration, au nom de Jésus-Christ, amen. Bénissons ton nom. Alléluia. Toi le Dieu de la révélation. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Les temps de sécheresse sont passés. Les temps de misère sont passés. Les temps d'échec sont passés. Seigneur, tu viens faire rentrer l'église de la balise dans des temps nouveaux, Seigneur, des temps de rafraîchissement par la révélation du Saint-Esprit. Je prie, Père, afin que l'action du Saint-Esprit se révèle comme étant encore plus puissante que celle qu'on nous a démontrée jusqu'à présent. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ, tu nous fasses sortir des bassesses, que nous soyons témoins au quotidien de la manifestation de l'Esprit. Je prie pour les hommes, pour les femmes et pour toutes les générations, afin que les dispositions nécessaires se manifestent maintenant au nom de Jésus. Que tu travailles les mentalités, afin que nous épousions la mentalité de l'homme spirituel, Seigneur, celui qui déclenche la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je prie que l'Esprit de Dieu soit actif au quotidien, que les manifestations des miracles et les prodiges deviennent quelque chose de normal, que ça n'étonne plus personne, que ça ne surprenne plus personne, parce que tu nous appelles à agir dans une dimension supérieure, que le toucher de Dieu révèle la balise sous un ciel différent, sous un ciel ouvert, au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, tu nous as visités ce jour. Tu nous as visités en ces temps éternels. Et nous venons te bénir pour ta présence. Nous venons te bénir pour l'accomplissement de tes promesses. Elles sont certaines dans nos vies. Elles sont certaines dans ce lieu. Et nous voulons te rendre gloire parce que tu es le Dieu qui agit encore. Merci pour les yeux ouverts. Merci parce que, Seigneur, nous vivons ce que tu as déclaré à l'avance. Ton peuple est béni. Ton peuple est béni, Seigneur. Je te rends toute la gloire. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ, amen. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli, victoire. Oui, tout est accompli.
Nous croyons que tout est accompli parce que tu l'as proclamé depuis 2000 ans. Alors nous croyons que ce matin, tout est accompli parce que le voile est déchiré. Tout est accompli pour les fils des hommes. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Alors que vous le sachiez ce matin, que tout est accompli. Le voile est déchiré. Vous allez voir les fils de l'homme réaliser ce que Dieu a accompli à la croix de Golgotha. Et ma korozo koroyina. Je vous annonce ces choses, que tout est accompli. Vous allez opérer. Vous allez opérer parce que la dimension est là. La dimension du surnaturel. Quand vous avez tout attendu si longtemps, mon serviteur, tout est accompli. 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 En ce temps qui sont les derniers, Seigneur, tu avais fait une promesse que dans les derniers temps, tu auras ton esprit. Et le Saint-Esprit va opérer en plusieurs dimensions. Avec les petits, avec les vieillards. Oh Seigneur, que ton esprit, Seigneur, que tu as répandu dans le monde entier, se manifeste en ces lieux, Seigneur. Qu'à partir d'ici, notre Dieu, que le mouvement de l'esprit se lève et rentre dans les nations à partir de cette église, Seigneur. Oh, comme nous savons très bien que le ciel a ouvert, Seigneur, nous savons, Seigneur, que tu lèveras, Seigneur, cette église dans le mouvement de l'esprit et tu nous amèneras là où tu voudras, Seigneur, selon toi et non selon un homme, notre Dieu. À toi toute la gloire, parce que ta parole est une promesse et elle ne ment pas. Elle s'accomplit certainement dans les vies. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole, car c'est elle qui nous forme, qui nous transforme et qui nous rend meilleurs. Merci, Seigneur, pour ce dimanche. Bénis chacun de nous, Seigneur, et que cette bénédiction, nous la portons dans nos familles, pour l'ensemble des membres de notre famille, et que cette bénédiction se répande sur le pays tout entier, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci. Je voudrais que tu apprêtes le peuple à supporter la manifestation du surnaturel. Ces choses vont s'accomplir. Je prie que tu apprêtes ton peuple à supporter la manifestation de l'esprit. Les choses que le peuple n'a jamais vues vont apparaître. Les miracles qu'on n'a jamais vus vont apparaître. Des opérations prophétiques particulières vont apparaître. Mais vous savez, tu sais que ton peuple est limité, nous sommes des hommes. Quand tu amèneras les miracles, ne permets pas que nous-mêmes nous nous soulevions contre l'esprit. Apprête-nous, soulève-nous Seigneur. Ton serviteur nous a donné les clés, c'est que chacun soit à la montagne. Quand Dieu viendra avec la dimension de la montagne, que la dimension de la vallée ne vienne pas détruire, Seigneur. On a vu des personnes elles-mêmes éteindre le réveil parce que les gens ne supportaient pas la dose de l'esprit. Que ce peuple soit apprêté par ton esprit. Apprête-nous, Seigneur, à ne pas condamner l'esprit après avoir travaillé longtemps pour que l'esprit devienne palpable. Apprête-nous, soulève-nous, Seigneur, que les pasteurs montent davantage pour que nous soyons capables d'expliquer les mouvements de l'esprit parmi le peuple. Ceux qui ont éteint le premier réveil, c'était des pasteurs.
Nous voulons que tu aides ce peuple. Parce que le torrent va être fort. Le vent va être fort. Étends ta main, Seigneur. Que nous ne soyons pas producteurs de la vie et destructeurs de la vie. Apprête-nous, Seigneur. Que ton nom soit béni quand l'extraordinaire viendra. Apprête ton peuple. Ouvre nos yeux davantage. Soulève les pasteurs. Nous voulons voir avant que les choses n'arrivent. Pour pouvoir aider le peuple à conserver la vie, Seigneur. Nous ne voulons pas appeler le réveil et le détruire nous-mêmes. Je proclame que notre génération garde le réveil jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Je proclame, Seigneur, qu'il y ait des géants qui vont comprendre l'Esprit. Je proclame qu'il y ait des femmes et des hommes, des enfants qui vont comprendre les manifestations de l'Esprit. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que tu nous permettras de garder le feu jusqu'à la mort, au nom de Jésus, jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Amen. Le groupe de louanges va continuer avec « Tout est accompli » pour introduire la Sainte Cène.